Les gens s'emballent que non, Luis Enrique a redonné vie au PSG, etc. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce PSG, les amis. Ce PSG de Luis Enrique qui a l'air d'être vraiment intéressant. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien, sur cette chaîne, on parle de foot. Sur cette chaîne, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fort de partir, alors ce PSG a l'air vraiment d'être intéressant parce que lorsque moi je regarde dans le jeu, sa presse haut, à la perte du ballon, ça récupère très haut, etc. Il y a des belles séquences de passes. Un PSG qui a en moyenne 70% de possession, un PSG qui a en moyenne 600 passes réussies par match. Moi je trouve que ce PSG-là est intéressant, les amis. Leur point faible. Les matchs précédents, c'était la défense, mais face à Dortmund, la défense a l'air de tenir parce qu'ils n'ont pas pris de but face à Dortmund, ils n'ont pas pris de but face à Marseille dans le Classico. Donc, ce PSG, ça tient la route, les amis. Après, ne soyons pas vraiment trop. Il ne faut pas qu'on s'emballe. Entendons, il faut qu'on attende les gros matchs de Ligue des Champions, notamment face au Bayern City, Real de Madrid. Mais pour l'instant, ce PSG tient la route. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es optimiste comme moi? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.